On est parti. Bonjour à toutes et à tous. Salut Xavier. T'as ton micro qui est coupé par contre, je crois. Et voilà, premier échec. Bonjour tout le monde. Salut Alex. Salut, tu vas bien? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je suis ravi d'être là pour présenter Firebase. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir proposé de nous faire ce petit live. Donc on va parler de Firebase et puis de Retool aussi, tant qu'à faire, parce que c'était bien d'avoir Exactement. un outil qui permette de montrer aussi les données. Donc voilà, c'est un petit bonus double combo. Et Firebase, c'est vrai que c'est assez chouette, parce que ça fait pas mal de temps qu'on l'a évoqué à travers d'autres outils, puisque c'est possible de se connecter dessus avec, je sais pas, Draftbit, WeWeb, enfin il y a pas mal d'outils no-code qui permettent de se connecter dessus. Mais voilà, t'as pris sur toi de nous expliquer ce que c'était, donc ça c'est très cool. Et puis montrer aussi Retool au passage, qui permet de faire des front-ends et pas mal de choses. Et bah écoute, je te laisse présenter ça et je te laisse la main. Et voilà, on salue Simplette qui est là. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ok, bah c'est parti. Du coup, vous voyez peut-être mon écran. Alors attends, pas encore. Hop, Pas voilà, c'est encore. parti. Très bien. Alors, on va commencer par la base. Firebase, c'est quoi? C'est une plateforme cloud qui est proposée par Google. Donc c'est une techno Google, Firebase. Et ça permet de gérer un back-end sans aucune connaissance. Alors, quand on dit back-end, ça peut faire un petit peu peur, ça peut ressembler à un gros mot, mais back-end, en fait, c'est juste la partie un peu cachée de votre application. On a deux niveaux de back-end, on a plutôt le niveau applicatif, on va dire, de back-end, qu'on va voir un peu après avec Retool, et on a la partie un petit peu plus encore en dessous, qui est la partie un peu serveur, ce sur quoi on va finalement faire reposer nos applications. Donc c'est là que Firebase va nous aider parce que ça nous permet en fait de mettre en place sans aucune connaissance technique, sans même savoir vraiment ce que c'est qu'un back-end, de mettre en place toute une architecture qui va nous permettre de dérouler nos applis, que ce soit des applis web, des applis mobiles. Petite question candide, comment tu décrirais, on va dire un petit peu la différence avec Airtable par exemple, qui est un peu, quand on parle de base de données dans le no-code, on pense toujours à Oui. Airtable. Comment tu décrirais un peu cette différence et pourquoi tu parles aussi justement plus de back-end que vraiment juste de base de données? Alors, parce que donc si jamais vous voulez mettre une base de données qui n'est pas Airtable, je vais essayer de faire le parallèle avec Airtable, mais par exemple, vous avez une base de données, on va dire un peu dans les plus connues, vous avez du MySQL, vous avez du Postgre, de l'Oracle. Si vous voulez utiliser ces bases de données, en fait, vous allez devoir les installer sur un serveur. Et c'est la partie serveur qui va être gérée par Firebase. Voilà, c'est tout cet environnement d'installation qui sera directement provisionné, pour utiliser le terme un petit peu technique, par cette application Google. Pour la différence avec Airtable, c'est qu'Airtable, en fait, c'est un produit qui est directement dans le SaaS. Vous n'avez même pas besoin, en fait, de vous préoccuper de cette partie back-end, de cette partie serveur. Tout est géré dans le cloud par les équipes d'Airtable. D'ailleurs, ce qu'on voit sur la page d'accueil, là, ils disent les projets Firebase sont des conteneurs pour vos applications. Ça montre bien qu'en fait, ça va au-delà, en réalité, juste de la base de données, quoi, qu'il y a différentes choses qui sont incluses dans Firebase. Oui. Tout à fait. Bah, on va le voir puisqu'on va se créer un petit projet. C'est Soyons parti. fous. C'est ce qu'on aime, hein, de toute Donc, façon, on va par l'exemple, en tout cas, c'est parfait. exactement. Alors, on va l'appeler comment? Live Firebase. On va mettre un petit retool quand même, qu'il soit pas laissé pour compte. Voilà. Donc là, ça me propose déjà d'utiliser les outils Google automatiquement. Donc ça va, si je dis oui, c'est ce que je vais faire hein, d'ailleurs, ça va me permettre d'avoir tous ces outils Google qui aujourd'hui sont très utilisés pour pouvoir bah, un peu traquer ce qui se passe sur votre application, sur votre site web. Donc ça, c'est plutôt cool parce que automatiquement, ça va faire le lien avec les outils Analytics de Google. Et ça, c'est un vrai plus parce qu'on n'a vraiment rien à faire. En fait, c'est fait tout seul. Donc, hop, je vais continuer. Il me propose en fait d'utiliser un de mes comptes. Donc j'ai un compte qui s'appelle Automate Yourself. Voilà. Petite private joke avec un ami. Hop.
Donc forcément, vu que ça appartient à Google, il y a pas mal de liaisons avec leurs autres produits, etc. Exactement. Pe Bah, petite tout est question au lié. passage. Firebase est hébergé par Google ou est-ce qu'on peut l'installer sur n'importe quel hébergeur? Non, Firebase, c'est vraiment un hébergeur en tant que tel. Ça va vraiment héberger vos données. On va le voir, il y a une base de données, il y a pas mal de choses. Hop, voilà, voilà, j'ai mon backend qui est créé. C'était rapide. Il existe des alternatives open source, apparemment, enfin, que moi j'ai pas testé. On pourra peut-être explorer dans d'autres futurs lives. Je sais qu'il y a Supabase. Il y a Supabase, oui, c'est le seul que je connais, ce que je connaisse, pardon. Les autres, je les connais pas trop. J'avoue que quand je me suis lancé sur Firebase, j'ai dit waouh, il y a tout, c'est très simple. Non, mais je pense que c'est intéressant de voir en premier un peu ce qui est la référence dans cette. Type vraiment d'idée de back-end as a service un petit peu. Et puis après, pourquoi pas explorer avec s'il y a d'autres gens qui connaissent ou si toi, vite voir un petit peu ce qui est arrivé après, qui est un peu en mode open source, etc. On pourra toujours le faire dans des futurs lives, quoi. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une comparaison qui peut être faite entre Firebase et AWS, pour ceux qui connaissent un peu AWS. En fait, donc Firebase, c'est un petit peu on va dire, le no-code d'AWS. Concrètement, AWS, pour pouvoir mettre en place ses outils, enfin une application, un site scalable, parce que c'est ça en fait, hein, l'objectif de ces plateformes, c'est d'avoir quelque chose de scalable. Disons que Firebase, c'est gratuit, entre guillemets, on verra tout à l'heure un petit peu plus de chiffres, mais c'est gratuit jusqu'à un certain niveau, alors que sur AWS, alors si je dis pas de bêtises, mais je crois pas, c'est directement payant, même si c'est pas très cher au début, et ça augmente au fur et à mesure qu'on va utiliser le service. C'est pareil pour Firebase en fait, hein, au début c'est gratuit et quand on commence à dépasser une certaine limite, on va payer, mais très sincèrement, pour atteindre la limite, si on a bien fait son appli, voilà, il faut quand même. On sait qu'on commence à rentrer dans les problèmes de riches. Voilà, on a déjà eu cette petite conversation, mais c'est vraiment qu'on a déjà normalement trouvé un moyen de monétiser son appli. Donc je vais présenter rapidement les différentes sections qu'on a. Donc on a, alors je vais commencer par le bas, la partie analytics, que je vais détailler juste, enfin que je vais parcourir très rapidement, qui va vous permettre vraiment d'aller en profondeur dans l'appli, de faire tout le tracking, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec les outils Google. Donc c'est très intéressant parce que c'est déjà installé, c'est déjà prêt à être utilisé. Donc vous avez tout un tas de dashboards, des données en temps réel, qui fait quoi dans votre appli, sur quel bouton ils ont cliqué. Bref, on a vraiment tout le monitoring de son application directement dans Firebase. Ce qu'il faut imaginer, c'est d'utiliser tout ça dans une application mobile, par exemple, quoi. Je pense que Oui, c'est vraiment tout à fait. Firebase en tant que tel, seul, enfin, c'est vraiment mettre à disposition à la base, surtout des développeurs, pour des développeurs, par exemple, mobiles. Je crois que vraiment, enfin, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai l'impression que le plus gros use case à la base de Firebase, c'est vraiment pour le dev mobile. Parce que quand tu fais du dev mobile, tu as toujours nécessité d'avoir un back-end centralisé, entre guillemets. Et ça te permet de le faire sans avoir à développer ton API, ton machin, etc. Mais maintenant, il commence à y avoir aussi des outils no-code qui intègrent Firebase et donc qui proposent ce niveau d'abstraction. Tu fais du no-code, par exemple Draftbit, pour faire du mobile. Et eux, en fait, te facilitent le travail avec Firebase, quoi. Et toi, tu gères quand même ton Firebase comme nous le montres là, quoi. C'est exactement ça. D'ailleurs, même dans le wording qu'ils utilisent, dans les termes, pardon, qu'ils utilisent sur le site, on voit quand même que c'est plus orienté pour les personnes qui vont aller faire du mobile. Maintenant, c'est exactement le même fonctionnement pour la partie web app. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, déjà, vous avez déjà vu un peu, si vous avez regardé les vidéos sur DraftBit qui ont été faites par Georges, et si c'est pas le cas, ben, je vous conseille d'aller regarder parce que c'était très intéressant. Il a présenté déjà la partie authentification. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, jusqu'à la découverte de Firebase, si vous ne connaissiez pas, vous étiez obligé d'aller vers des outils comme par exemple MemberStack pour pouvoir faire la gestion de vos comptes, pardon, utilisateurs. Là, vous pouvez faire ça directement au travers de Firebase. C'est gratuit. Jusqu'à 10 000 utilisateurs, c'est gratuit. En plus, ce qui est vraiment génial,
Alors même si je ne vais pas forcément l'utiliser pour cette démo parce qu'il y a un petit temps de mise en place, mais je peux quand même vous montrer. Donc voilà, là je l'ai activé sur mon compte. C'est-à-dire que dès maintenant, si j'avais un site ou une appli sur laquelle je voulais utiliser de l'authentification, je pourrais le faire tout de suite, juste en cliquant sur activer et en utilisant voilà, les bonnes fonctionnalités sur l'outil en question. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est les méthodes de connexion que vous avez. Donc vous pouvez vous connecter avec un email mot de passe classique, avec un numéro de téléphone, au travers de comptes Google, de comptes PlayJeu. Il y a même des choses que je ne connais pas, Game Center, je ne connais pas, Facebook, Twitter, bon, etc., etc. Et ça, c'est vraiment ultra puissant parce que vous n'avez pas à les coder. Tout est prêt ici. Il y a juste à faire activer et à utiliser ces méthodes sur votre site. Il y a un petit peu de copier-coller de code, mais c'est vraiment très léger et la documentation est vraiment très, très propre. Et quand tu Donc, parlais de MemberStack tout à l'heure, tu vois, typiquement, MemberStack ne fonctionne pas sur du mobile, par exemple. oui. Donc, Tout à ça, fait. c'est aussi un vrai côté vraiment authentification. C'est pas du tout quelque chose de trivial. Et donc, Alors, j'ai un petit bug, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est moi qui ai bugué. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez Alex qui est figé. Alors, ce que je vais faire, Pardon, c'est que je vais continuer désolé. doucement. Ok, ah, top. Est-ce que je suis revenu? C'est bon. Désolé, hein, J'ai eu autant pour peur. moi. C'est bon, c'est bon, je Tu suis vois. revenu. Vas-y. Ok, alors, du coup, je reprends. Donc, la partie authentification, voilà, ça quand même, ça simplifie énormément la gestion. Et puis, comme je disais, c'est gratuit jusqu'à 10 000 utilisateurs. Alors qu'un MemberStack, c'est quand même, alors, je sais plus, j'espère pas dire une bêtise, mais je crois que c'est une trentaine d'euros. Pour une version un peu. Voilà. Il me Ça doit semble, être aux alentours d'une trentaine d'euros. Alors, donc Je on peux a vérifier. ensuite une partie qui va nous permettre de stocker de la data. Donc on a la partie storage ici qui va nous permettre de stocker jusqu'à 1 giga de données. Voilà, ni plus ni moins. Ça nous permet de stocker 1 giga de données. On a la partie fonction. Alors ça, par contre, Quand tu ça fait dis, partie d'un pardon, client. désolé, juste quand tu dis données, c'est des fichiers, quoi. Des fichiers, Ou oui, voilà. tout à fait. Des fichiers, des C'est images, vraiment des du vidéos, stockage de etc. documents, Ouais. ouais, un stockage vraiment basique. Donc on a la partie fonction qui peut nous permettre, voilà, mais pour ça il faut aller sur un compte payant quand même, d'avoir en fait ce qu'on appelle des fonctions serverless. Qu'est-ce qu'on entend par serverless? En fait, c'est des petits bouts de code, des petits bouts de script, là vraiment pour le coup c'est du low code. Du no-code, c'est du scripting, des petits bouts de code qui vont aller en fonction de certains événements, déclencher des actions dans la base de données ou déclencher des appels à d'autres applications, etc., etc. Donc c'est Donc ça vraiment des c'est petits bouts de code un, qui. moi c'est vraiment un truc. C'est vrai que donc je parle beaucoup de no code évidemment, mais ça par exemple c'est un des moyens je trouve de collaborer avec des développeurs dans le cadre de son projet. C'est-à-dire, imaginons voilà je sais pas coder, j'ai Firebase, j'ai réussi à faire mon authentification là comme tu nous montres etc. comme tu vas nous montrer, mais j'ai besoin d'un petit truc très spécifique. Eh bien je peux collaborer avec un développeur, je lui donne accès, il écrit une petite fonction, et puis comme ça je pourrais en bénéficier quoi. Donc peut être vraiment pratique quoi. Parce qu'on m'entend pas Tout très à fait. bien, non? Je sais pas. Alors moi je t'entends super bien, Ouais, mais c'est parce bon. que j'ai pas le son de Twitch. Ok, je vais parler plus près du micro sans le manger. Enfin voilà, non mais donc c'était juste pour préciser ça. Effectivement, ça sera pas à la portée de tout le monde de pouvoir écrire des fonctions. Par contre, je trouve que c'est un moyen très facile de collaborer avec des développeurs dans le cadre d'un. Je sais pas si on fait un truc no code, enfin. Et voilà, d'avoir un petit peu chacun dans son domaine, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est assez pratique à utiliser. En tout cas, quand on est développeur. Donc c'est pareil, on a une fonction machine learning. Alors là, elle est proposée. On peut l'utiliser. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, c'est plutôt
C'est pareil, c'est plutôt axé développement. Ça va pas être très très simple à utiliser. Faudra vraiment le prendre en main. Mais en tout cas, on va pouvoir faire du machine learning. Qu'est-ce que c'est du machine learning? On va dire que c'est la première étape de l'intelligence artificielle. C'est faire apprendre à ton logiciel à reconnaître un peu des patterns. Alors comment on va dire pattern en français? Tiens. Des motifs. J'ai eu le même problème il n'y a pas très longtemps dans une formation, mais D'accord. Ah oui, c'est c'était pas compliqué. évident. C'est des ouais, à reconnaître des comportements, on va dire récurrents, qui vont pouvoir potentiellement déclencher des actions. Par exemple, là, on voit ici la détection des visages. Et ben, on va lui apprendre à reconnaître des visages en lui montrant d'une part des photos de visage, d'une part des photos qui ne sont pas des visages, jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il ne se trompe jamais entre un visage et un caillou, par exemple. Voilà. L'analogie était un peu bizarre, mais je pense que vous aurez Mais compris. ça, ils l'ont pas entraîné. Ils l'ont pas. Alors, Enfin, c'est à toi de faire aussi cet entraînement. Tu vois, je me je l'ai dirais pas. les visages, tu vois, tu peux. Les visages, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Ouais, mais alors, mince, j'ai cliqué dessus. Finalement, ce qui va te faire, c'est qu'il va te proposer quand même de l'entraîner avec ton propre pattern. Tu vas pouvoir aller plus loin, D'accord. par exemple, tu vois là, il reconnaît un sourire, bah, tu vas pouvoir lui dire de faire autre chose que de reconnaître un sourire. D'accord, ok. Mais évidemment, tu peux l'utiliser tel quel. Alors, je sais pas jusqu'à où ça va par contre, hein. Ça, il faudrait le tester concrètement. Ok. Ensuite, on a la partie hosting. Alors, la partie hosting, ça va permettre de mettre un site statique. Directement sur Firebase et le hoster directement sur Firebase. Voilà. Mais c'est vraiment pour un site statique. C'est pas fait pour un site, par exemple, on pourra pas aller choper le code Webflow et l'intégrer directement dans Firebase. Si on voulait tricher un peu. On pourrait, mais on n'aurait que la partie statique. Il y en a qui s'amusent à faire ça pour WordPress. Ils prennent le code WordPress, ils le collent dans Firebase et ils ont un site statique qui est utilisable. Mais ça, avec Webflow, ça peut très bien marcher puisque tu peux exporter ton code dans Webflow et tout est généré. Enfin, tu peux générer des sites statiques, donc ça c'est un Oui, bon tout à truc à fait. savoir. Si tu as par exemple une notion de CMS, bah, tu ne pourras pas la faire fonctionner au travers de C'est Firebase. vrai que dans Webflow, t'exportes pas le CMS par contre. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Ensuite, la partie qui pour moi est la plus importante, parce que vraiment, c'est là où est le gain, je trouve, en tout cas sur les cas d'usage que j'envisage moi, c'est les bases de données. Donc on a deux types de bases de données, la base de données qu'ils appellent Real-Time Database et Firestore Database. Alors, tu vas me dire c'est quoi la différence, mais la Real-Time Database, en fait, c'est une base de données, on va dire, en temps réel. Pardon, je vais utiliser un peu des gros mots, mais c'est un arbre JSON qui peut être. Donc c'est très rapide hein, en termes d'accès. C'est vraiment une base de données ultra rapide qui va permettre, par exemple, si vous faites un Twitter, si vous voulez recopier un Twitter, si vous faites un réseau social, de pouvoir gérer en fait les messages de manière instantanée au travers d'une base de données. Ben ça, avec Real-Time Database, c'est vraiment le cas d'usage parfait pour utiliser ce type de base de données. Ensuite, vous avez Firestore. Firestore, c'est une base de données, mais NoSQL. Alors, encore une fois, on dit des gros mots, mais on n'a pas le choix, il faut quand même m'expliquer un petit peu. Qu'est-ce que c'est une base de données NoSQL? En fait, concrètement, quand vous avez une base de données classique, même Airtable, on va dire, sont des bases de données relationnelles. C'est-à-dire que vous créez des liens entre les différents éléments, et ça crée en fait une sorte de structure. On va dire qu'il n'est pas forcément agile. Une fois que vous avez créé la structure, normalement, elle n'est pas censée trop bouger. Une base de données NoSQL, c'est un peu une base de données qui a une structure qui est mouvante, que vous pouvez faire évoluer au fur et à mesure de votre application. On va peut-être le voir très rapidement dans la démo parce que c'est ce que je vais utiliser moi. De toute façon, quand on regarde un peu dans la doc, il propose beaucoup plus Firestore que RealTimeDB. Alors c'est un peu bizarre, mais finalement ils vous disent, ils essaient d'expliquer, voilà ce que vous pouvez faire avec RealTimeDB, voilà ce que vous pouvez faire avec Firestore, la même chose que RealTimeDB, et en plus vous pouvez structurer. Bon,
Voilà, moi Un c'est. real-time DB, de ce que je comprends, c'est beaucoup pour faire des chats instantanés, des choses comme ça. Enfin, quand il y a ce besoin d'instantanéité, mais qu'il y a peu de données, quoi, juste des échanges de textes, des choses comme ça, quoi, et pas forcément de structure. C'est ça, quand il n'y a pas forcément de structure, c'est exactement ça. Hein. Faire un Twitter-like, ce serait parfait, ou un chat, un Discord par exemple, pour ceux qui seraient très motivés. Il y avait juste une question sur le chat par rapport à, donc aux vidéos de DraftBeat. Donc j'ai mis enfin les liens de leur chaîne à eux, où c'est des vidéos en anglais. Et puis dans les archives de Twitch aussi, il y a les vidéos de Georges. Et aussi, il y a une question, est-ce que c'est AWS derrière Firebase? Je te laisse répondre. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure. Non, justement, c'est le concurrent d'AWS. Là, on est vraiment sur une technologie Google. Donc, c'est vraiment des serveurs de Google qu'il y a derrière. Et le Google Cloud Platform, je pense, enfin, C'est qui la est aussi Google un peu Cloud l'équivalent Platform. global un peu Bon, de on va ce le voir juste après d'AWS, parce quoi. que je vais en avoir besoin. Ok. Alors, donc, je vais créer ma base de données. Donc, bon, ça vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé un peu ce qui a été fait sur DraftBit. On a deux modes. On a le mode en prod où on doit définir des règles de gestion hein, pour la base de données, qui a le droit de lire, qui a le droit d'écrire, etc., etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le mode test puisque ça nous simplifie la vie. Et là, tout le monde a le droit C'est moins d'écrire et de sécurisé, lire dans mais la c'est base de plus données. facile, quoi. Exactement. En fait, d'ailleurs, c'est écrit là. T'as un temps limité pendant lequel tu peux être en mode test. Donc là, si je lance ma base de données, j'ai 30 jours de mode test. Ensuite, je suis bloqué, je suis obligé de commencer à mettre des règles de gestion. D'ailleurs, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, j'avais fait une petite appli et mon appli, j'avais complètement oublié que j'étais en mode test et mon appli a été bloquée, je ne pouvais plus rien faire dessus. Ouais, c'était un petit peu embêtant. Juste pour Nicolas, il n'y a pas de questions stupides, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et pour les gens qui Exactement. sont Nicolas et Digishop, n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, plutôt que sur YouTube. Enfin, malgré qu'on stream sur YouTube aussi pour garder les archives, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour on essaie de centraliser là-bas les échanges. Petite désolée pour cet aparté. Mais pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir dans quelle zone géographique on va localiser notre base de données. Donc là, ben voilà, de base, c'est aux US, mais je pourrais la mettre en Europe, donc c'est ce que je vais faire moi, hein, et je pourrais choisir en fait différents. Alors évidemment, Europe Ouest 3, ça ne nous parle pas trop, mais grosso modo, on sait que ce sera plutôt en Europe. Je crois qu'on est plutôt sur Berlin, quelque chose comme ça, je crois que c'est en Allemagne, le serveur Euro 3. Mais quoi qu'il en soit, c'est en Europe. Donc, hop, activé, et donc là, ça Ce va qui me est générer ma surtout structure de base de données. intéressant. C'est surtout intéressant pour des questions de performance, parce que si des gens se posent des questions par rapport au RGPD, etc. J'invite d'ailleurs à regarder la vidéo qu'on a fait, enfin le live qu'on avait fait sur le RGPD. Google étant une société américaine, de toute façon, ça change pas grand-chose que leur serveur soit en Europe ou pas, quoi, d'un point de vue vraiment RGPD, quoi. Enfin, c'est un peu contre-intuitif, mais. Oui, tout à fait, tu as raison, ils peuvent quand même avoir accès aux data avec le Exactement. Patriot Act, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc je suis dans le squelette en fait de ma base de données et je vais pouvoir ce qu'on créer une table. En fait, c'est une base de données de documents. Tout simplement, c'est le document. En fait, on a des collections, pardon, de documents. Si on devait faire le parallèle avec Airtable, un document, une collection, pardon, ce serait une table dans Airtable et un document, ce serait une ligne de la table. Un Donc je enregistrement, vais comme on dit un dans Airtable. enregistrement, ouais, exactement. Donc je vais appeler ma base de données, ma collection client, hop, et je vais générer les IDs automatiquement. Donc là c'est vraiment la structure, hein, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure que c'était un arbre JSON le RealTimeDB, mais là c'est la même chose, c'est un arbre JSON mais un peu stylisé, on va dire, qui est un peu plus simple à lire. Et je vais créer mon premier client, peut-être Après, tu vois, ce qui est ici, le intéressant, c'est champ que tu vois, toi, nom. tu sais que tout ça, c'est du JSON, mais en réalité, là, tu vois, tu as une. C'est un petit peu. Alors, c'est pas présenté sous la forme de colonnes et de lignes, mais tu vois, là, les champs, là, pour le coup, c'est le même mot que dans Airtable, tu vois, les fields, donc les colonnes qui décrivent ton document. Donc, tu vois, ça, je trouve que c'est intéressant. Là, on est quand même dans un truc très no-code dans l'absolu, quoi. Enfin, tu as vraiment une Tout à fait. interface comme ça qui t'abstrait ce truc-là, quoi. Donc, ça, c'est très intéressant, ouais. C'est vrai que c'est relativement
facile à comprendre. Concrètement, là, je suis en train de, j'ai créé ma table, et là, je suis en train de mettre, de renseigner les colonnes de ma table. Donc, j'ai mon nom, je vais mettre un prénom. Voilà. On va mettre quand même un prénom, un nom, on va mettre moi, et un prénom. Et on va commencer comme ça, et je vais vous montrer ensuite ce que je disais, que la table, que c'est évolutif, qu'on peut le faire, voilà, qu'on peut le modifier, on va dire, à la volée. Ah oui, en fait, non, mais ouais, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, tu n'as pas décrit le schéma de la collection, c'est que tu as créé déjà un premier enregistrement, quoi. Après, Oui. bon, enfin, sans trop rentrer vraiment dans des considérations de NoSQL, etc., mais ça, c'est quand même quelque chose de, enfin, d'assez fondamental, mais c'est, je pense, un peu trop technique, peut-être, pour un peu le no-code, mais je comprends mieux, en fait, tu vois, dans un sens, c'est complètement logique, quoi. Donc, c'est vraiment une abstraction visuelle de la gestion d'une base de données non relationnelle, donc comme une base NoSQL, quoi. C'est vraiment ça. D'ailleurs, tu ne peux pas, enfin, c'est pas que tu peux pas, mais c'est beaucoup moins pratique. Tu peux pas juste dire je vais créer ma structure et ensuite commencer à renseigner les informations. Tu Exactement, ce que renseignes je une pensais que tu étais information, en train de puis faire tu en continues. réalité. D'accord. Ouais. Mais non, non, Donc mais c'est tout à fait j'ai dû logique, créer mon premier document. c'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'ailleurs aussi un des intérêts des bases NoSQL, enfin comme MongoDB, etc., c'est que ton document peut évoluer au cours du temps. Ça peut poser des problèmes, mais en même temps, tu n'as pas un schéma rigide comme dans une base de données relationnelle, quoi. Ben on va le voir, je vais rajouter des champs à la volée tout à l'heure au travers de Retool. Donc on va faire. Voilà, j'ai fini. En tout cas, la partie Firebase, elle est presque finie d'ailleurs. J'allais dire une bêtise. Mais si je veux aller plus loin, il va falloir quand même que je fasse mon. Que je fasse le. Que je paramètre mon compte Google. Donc en fait, dans les paramètres du projet, hop. Je vais aller dans la partie compte de service et hop, ça me génère en fait automatiquement dans mon compte Google. Ça me crée un projet avec tout un tas d'informations et tout un tas de enfin tout un tas. Ça va me créer des comptes de service. Les comptes de service, c'est ce qui va me permettre de m'authentifier, on va dire, sur mon au travers de d'autres applications. Donc mon Retool, en fait, va se connecter à Firebase grâce à un compte que je vais aller justement modifier maintenant. Alors, donc là, je suis, donc c'est ce que je vous disais, hein, je suis dans mon compte Google. Donc là, c'est vraiment mon compte. Et j'ai deux comptes de service qui ont été créés. Donc moi, je vais devoir générer une clé que je vais ensuite pouvoir donner aux autres outils. C'est un peu comme une porte. Voilà, là je suis dans ma porte Google, et je vais lui dire, ben voilà, je crée une clé, je façonne ma clé, et à chaque fois que quelqu'un voudra se connecter sur mon compte Google, ou donc au travers, enfin sur mon Firestore, au travers d'une application, il va devoir utiliser cette clé. Donc c'est tout bête, encore une fois, il n'y a quasiment rien à faire. Je fais sur la petite partie action, là sur les trois petits points, je vais Ça, faire. c'est pratique qui te guide quand même pas mal, parce que moi je trouve que pour le coup Google Cloud Platform, vraiment on n'y comprend rien, quoi. Enfin moi ça me c'est un truc, je sais qu'à chaque fois que j'ai dû générer des clés, etc., ça me. Juste tu veux Alors, générer bah, des clés pour Google Maps j'ai fait par une bêtise en exemple, pour plus. utiliser l'API Google Maps, c'est une tannée, quoi. Donc là je trouve que j'ai l'impression que Firestore là, enfin Firebase, il te facilite un petit peu la vie. Oui, c'est assez pratique. Parce que je te cache pas que j'ai voulu le faire à un autre moment et que en fait je me suis totalement perdu et je savais plus du tout où est-ce qu'il fallait Mais que j'aille c'est. Franchement, pour Google retrouver Cloud les Platform, infos. c'est hallucinant comment on n'y comprend rien, quoi. Enfin, franchement. Mais du coup, ça me soulage de voir que je suis pas le seul non plus à trouver ça Non, un peu confusant, quoi. c'est pas du tout user friendly. Mais là, ce qui est pratique, c'est finalement, je clique sur un lien, ça m'emmène directement au bon endroit, et j'ai plus qu'à Exactement, ouais. cliquer sur le bon bouton. Donc là, tu vois, je suis allé dans l'admin SDK, parce que c'est ce compte-là, le compte admin SDK qu'il faut utiliser. Donc, je vais le faire, et je vais créer une clé. Alors là, on va retrouver encore le terme JSON, parce qu'en fait, il va me générer un fichier. Et dans ce fichier, il y aura justement cette clé dont on a parlé. Hop, donc je le crée. Voilà. Toc. Je vais juste ouvrir ça. Et je vais aller dans Retool. Alors, j'ai juste ouvert une ressource dans Retool. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Dis-nous peut-être juste en deux mots ce que c'est Retool, comment tu Oui. le présenterais. Alors, Retool, c'est un outil qui va
permettre de gérer la partie, on va dire, applicative, puisque là on a parlé un peu de la partie serveur back-end, là on va parler de la partie applicative back-end. Quand on dit applicative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au travers de Retool, je vais pouvoir gérer, par exemple, les données qu'il y a dans ma base de données, mes utilisateurs, si je veux les activer, les désactiver, si je veux, je sais pas, faire du traitement sur mes données, en dehors de ce qu'on va appeler le front, donc mon site, ce qui est accessible aux clients. Là, c'est vraiment ce qui est accessible, j'allais dire aux opérateurs, mais c'est une déformation professionnelle. Ce qui est accessible, disons, par les personnes qui détiennent le site internet, l'application mobile, c'est vraiment, en fait, on va dire, un peu leur grotte dans laquelle ils font un peu leur tour de magie qui permet au front de pouvoir marcher correctement. Je sais pas du coup si c'était très clair. J'ai utilisé tour de magie, je sais pas si c'était une bonne analogie. Bon, on va voir quoi. Mais bon, globalement, je trouve que Retool, c'est vraiment cette idée de pour présenter une interface pour les utilisateurs, pour administrer les données, etc. C'est Enfin, ça. c'est surtout, mais justement, on va voir un petit peu parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait là-dedans. Tout à fait. Et vous allez voir que c'est quand même très simple. Et en plus, bon, je ne vais pas tout spoiler, mais ça nous évite. Moi, j'ai juste fait un copier-coller, hein, de ce qui était dans le fichier. Alors, Donc je comprends il y a comment un ça se passe. truc natif dans Retool où tu dis je veux me connecter à une base Firebase. Hein. C'est ça. Ah, bah, alors attends, je vais Et peut-être tout lui, il refaire. attend. Ça... Oui, exactement. Alors, ce que je vais faire, je vais aller dans les ressources. Donc, ça, c'est des ressources que j'ai moi créé, que j'utilise. Il y a d'autres ressources qui sont fournies. Bah, on va le voir, de toute façon. Voilà. Donc là, j'ai des bases de données que je peux utiliser de manière native. Quand on les utilise de manière native, c'est-à-dire qu'on a des fonctions qui nous permettent vraiment de faire du no-code, toute la partie requêtage, filtrage, etc. de mes données vont pouvoir être faites 80% en no-code. Donc c'est vraiment un énorme gain de temps. Alors pour ce qui est de Firebase, c'est pas exactement ça, puisque Firebase c'est du NoSQL, donc il y a plein de choses qui sont un peu différentes de ce qui est base de données classique, mais ça je vais vous montrer. Donc je clique sur mon Firebase, il m'explique un peu ce que je dois faire. Donc là j'ai le nom de ma ressource, je vais l'appeler Firebase Live, l'URL de mon projet, ok, donc ça je vais le faire juste après, mon ID. Hop, mon ID de projet, donc ça, je suis déjà dans dans les paramètres. Il faut quand même bien bien connaître le vocabulaire, etc., pour pas s'y perdre, quoi. Ouais, après, c'est très très bien expliqué. C'est très très bien expliqué. Tu vois, déjà, je me souviens plus où est-ce qu'est l'URL de ma base, mais grosso modo, Kairos, il nous je disait vais. que AWS, c'est pire. Moi, j'ai moins été traumatisé Ouais, par AWS. AWS que Google Cloud Platform, à vrai dire, mais j'utilise pas beaucoup AWS, donc Bon, peut-être je que j'ai un trouve mauvais aussi souvenir. qu'AWS, c'est assez compliqué. Alors, ce que je dois utiliser, c'est une clé qui est générique, en fait. Alors, encore une fois, c'est un terme un peu bizarre. Mais ici, je vais devoir utiliser une clé générique. C'est juste que je me souviens plus du nom. Je vais aller la chercher juste après. Et là, hop, je vais rentrer la clé que j'avais tout à l'heure. Hop, voilà. Et alors, je vais juste aller dans la doc pour vous montrer, hein, que c'est pas vraiment très compliqué. C'est bien expliqué. Donc, il m'explique finalement. Donc, j'ai une petite démo qui montre en fait comment ça peut fonctionner. Ensuite, il m'explique où est-ce que je vais trouver les infos dont j'ai besoin. Donc, tu vois, le yourprojectid.firebase.io. Alors, j'espère que je vais pas. Hop, Firebase console. Project. Très sincèrement, c'est là où à chaque fois, je me souviens jamais de ce que je dois faire. Hop. Et voilà, on arrive dans l'effet démo. C'était le grand classique. Non mais c'est intéressant aussi parce que ça montre quand même que ces outils, ils sont puissants mais ils sont quand même aussi pas évidents à prendre en main quoi. C'est-à-dire c'est un truc où il faut quand même bien comprendre le vocabulaire, les différentes choses, les URL, comment s'authentifier. Après une fois que tu as passé Ouais, ce mince. En temps-là, fait, mais il y a
une partie quand même mise en place, je pense, Yeah. qui est, même si Ouais, ça il y a une petite s'améliore, partie. c'est quand même. Il y a aussi beaucoup de choses, je pense, qui, enfin, non, j'allais dire, c'est, qui sont propres un peu à des choses qui plus liées au développement, mais en réalité, c'est juste des choses qui sont spécifiques à Firebase, quoi. Enfin, ou à AWS ou à Cloud Platform, quoi. Tout à fait. Tout à fait. En fait, bon, c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans, mais en effet, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, alors évidemment, moi, je l'ai fait plein de fois et je me souviens jamais comment on récupère l'URL. Et pourtant, c'est vraiment le truc le plus bête, mais à chaque fois, je me perds là-dedans. Alors, j'espère que je vais le retrouver. Mais de toute façon, je vais aller, hop. Ici. Alors, donc, je dois aller dans ma console Firebase, je sélectionne mon projet. Il me dit lui d'aller cliquer sur la Real-Time DB, mais c'est pas ce que je veux faire. Hop. Bon. Alors, ce que je vais essayer. Tu l'as pas là dans le JSON? Non, c'est ce que j'ai Ah non, on regardé tout à dirait l'heure pas. quand je l'ai collé. Je l'ai pas vu, mais c'est peut-être moi qui l'ai pas vu. Non, mais effectivement. Non, il n'y est pas. Et je crois. Alors attends. Alors là, on est vraiment dans le. C'est pas d'ailleurs le Firebase Database URL? Ah oui, non, mais ça, c'est ce qui te demande. Oui, pardon, dans Retool, ouais, non, je suis pas où. Ouais, c'est ce qui me demande. Alors, C'est ce juste, que je vais tu voir si cherchais. je l'ai dans une autre ressource pour éviter de. Ah, en plus, c'est ce que je t'ai dit. En plus, c'est un truc générique. Ah, c'est toujours le même, ok, ouais. Ah, évidemment. Alors, est-ce que c'est pas moi qui ai. Et louper mon copier-coller ici. Manque un, ouais. Donc, hop. Voilà. Et ben voilà. Effet démo. C'est classique chez moi. On a assez de temps pour continuer. Ça va aller. Hop. Donc, je crée ma ressource. Qu'est-ce que ça a fait? En fait, j'ai créé une ressource qui est réutilisable. C'est-à-dire que toutes mes applications que je vais faire au travers de Retool vont pouvoir utiliser mon accès à mon accès à la base à ma base Firestore et à toutes mes fonctionnalités Firestore que j'aurais mis en place. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une application que je vais appeler Live Retool Firebase. Et donc on peut peut-être expliquer un peu comme tu le disais ce que c'est que Retool un petit peu plus. Vraiment, on va aller dans la gestion de la data. Ce que je vais vous montrer là, c'est que finalement, on va pouvoir très simplement aller gérer les données qui sont hop, ici. Je vais l'ouvrir parce que vous allez voir qu'on va le modifier assez rapidement. Toc. Voilà. Donc, ça nous permet de créer le Ça, visuel. juste pour. Ouais, voilà, c'est. Je pense que d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que là, ce qu'on voit là, peut-être si tu effaces ça, ouais, justement, là, c'est un canevas vraiment vierge, un peu comme on Exactement. pourrait avoir dans Bubble ou dans Webflow, quoi, j'ai envie de dire. Et on fait des drag and drop d'éléments. Alors, c'est pas fait pour faire des applications Airbnb, quoi, enfin. Mais par contre, pour faire vraiment des interfaces d'administration, un petit peu pour les gens qui connaissent Stacker, peut-être, bah là, c'est complètement flexible, quoi. C'est-à-dire que dans Stacker, on est très cadré. Alors que là, on peut faire ce qu'on veut, on met des boutons, enfin comme tu vas nous montrer quoi. Mais ça faut déjà bien voir ce côté vraiment canevas blanc sur lequel on fait ce qu'on veut quoi. C'est exactement ça là. C'est comme si on faisait partir d'une page blanche sur n'importe quelle application sur n'importe quel outil qui va nous permettre de créer quoi que ce soit. Si vous allez sur Stacker, si vous allez même sur Webflow et que vous faites partir d'une page blanche, vous avez ce type de canevas que vous devez ensuite remplir. Donc moi, ce que je vais commencer à faire, c'est plutôt aller lui dire que je vais commencer à mettre en place ma ressource. Donc, je vais aller chercher la ressource que j'ai créée, donc Firebase Live.
Ça, d'ailleurs, Et c'est je vais lui vraiment dire. le très spécifique à Ritool, là, ce que tu fais là. Vraiment un des points forts de Ritool, c'est là, c'est le travail justement avec la base de données, quoi. Enfin, la base de données ou l'API. Ou... Exactement. Comme je l'ai paramétré, je l'ai mis en tant que ressource. Cette ressource va pouvoir être réutilisée. Donc, si je fais 10 applications et que ces 10 applications se basent sur les mêmes données, eh ben, j'ai pas besoin de le faire 10 fois, ce que j'ai fait tout à l'heure où j'ai un peu galéré. Mais j'ai pas besoin de le faire 10 fois. Je l'ai fait une fois et c'est suffisant. Et on va pouvoir ensuite le réutiliser. Et c'est un peu le principe aussi quand même du développement du no-code ou du code ou du low-code, c'est de ne pas réinventer la roue à chaque fois. On s'embête une fois et c'est tout. Alors, donc là, ce que je lui dis, c'est que je veux que mes datas changent à chaque fois que je vais faire des modifications. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai plusieurs, en fait, j'ai trois modules, on va dire, natifs dans Ritool qui vont être, pardon, la gestion des utilisateurs, donc ce qu'on a dit, l'authentification. J'ai ensuite la Real-Time Database, que je peux administrer aussi directement, et Firestore, la base de données qu'on a choisi d'utiliser. Donc dans Firestore, c'est pareil, j'ai des actions qui sont prédéfinies. Donc je peux aller requêter ma base. Donc récupérer les informations de ma base, je peux créer un document. Donc on va vraiment parler de documents, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, contrairement à Airtable, on est sur des bases de données de documents. Donc on va aller créer des documents, modifier des documents, supprimer, etc., etc. Donc là, ce que je veux, c'est récupérer pour le moment toute l'info que j'ai dans ma base de données. Donc les collections, donc c'est les tables, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là. Bon, il voit pas ma table pour le moment, mais on va. Voilà, donc j'ai un petit message d'erreur, évidemment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que j'utilise ma base de données Firebase. J'ai bien ma table avec mes clients, ça, il n'y a pas de souci. Et. Hop, donc que je suis bien sur Firestore, que je vais chercher mes infos, et là il veut pas me retourner ma table. Ça, alors c'est pas grave, on va essayer comme ça. Je vais lui noter. En fait, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise en fait la fonction de base qui va lui demander d'aller chercher dans la liste de mes collections, donc la collection dont j'ai besoin. Soit je peux écrire son nom directement. Là, moi, ce que je veux, c'est juste en fait récupérer tout. Ah, alors attends, j'ai pas. Ce qu'il me dit, c'est que j'ai pas la permission de d'aller fouiller dans ma base de données. Alors, peut-être qu'on a oublié une petite chose dans le paramétrage. La partie compte de Confidentialité des données, service. peut-être, là. Normalement, c'est bon puisque je lui ai donné la clé. Ça aurait dû suffire à ce que j'ai accès. Parce que je lui ai dit tout à l'heure que je suis en mode démo. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de problème particulier. Alors, j'ai peut-être encore fait une bêtise, hein, c'est tout à fait possible. Utilisateur autorisation, c'est pas ça de toute façon. Confidentialité des données, non, non, j'ai pas besoin là de la confidentialité des données. C'est pas là-dessus que je vais devoir me baser. Normalement, je suis bien. Alors, c'est peut-être ma clé. J'ai peut-être un souci avec ma clé. Hop. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a dit, c'est que Ritool m'a dit, OK, j'arrive à me connecter à ta base de données, mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de modifier les infos. Peut-être que quand j'ai fait ma modif là sur mon compte ici, peut-être que j'ai fait une bêtise et que j'ai pas utilisé le bon. Normalement, c'était bien ça, Firebase Admin SDK. J'ai bien mon compte actif, ma clé qui est active. Et tu avais le droit de lire dans la base?
Bah, normalement, en fait, là, ça me donne tous les droits puisque je suis en mode test. Donc, Oui, mais quand j'ai tu as pas mis de testé dans règles. Retool, quand tu as testé Comment? dans Retool, je veux dire, la lecture, ça avait marché? Ou là, c'est en lecture que ça marche? Oui, là, Ouais, c'est là, ça, c'est tu fais une vraiment en query, donc c'est la lecture. lecture. C'est à lecture que ça marche pas. Hop. Et évidemment, toc. Donc, on a dit edit ressources tout à l'heure. Je vais, hop, retenter, parce que normalement, ma clé est censée me donner les droits de tout faire sur la base de données. Évidemment, encore une fois. Hop. Alors, ce que je vais faire. Hein, il me dit bien que mon accès n'est pas autorisé. Bon. Eh ben, j'ai eu, je pense, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on lance, quand on lance son appli. Est-ce que tu as peut-être un autre exemple, enfin une autre app Une tool autre que tu base. aurais? Alors, ce que je peux faire, ce que je pourrais faire. Non, j'ai que celle-là qui est. Justement, j'ai enlevé les autres. J'ai déplacé les autres sur d'autres comptes. C'est juste histoire de voir un petit peu Retool, quoi, montrer un petit peu. Ouais. Alors, et ça, très sincèrement, je ne sais pas ce qu'il veut pas me. Alors, ce que je peux tenter. Hop, je vais aller dans gérer les clés. Je vais supprimer cette clé. Voilà. Je vais la régénérer. Bah oui. Hop. Je vais retourner dans mon retool. Je sauvegarde. C'est toujours bon. Alors, je regarde si moi j'ai pas fait une bêtise, mais normalement, Project ID, normalement c'est le bon. Si là la connexion fonctionne, ça va La connexion quand même être fonctionne. bien. Normalement, tout devrait être OK. Alors, je retourne dans mon appli. Je vais refaire. Je vais recommencer. On va repartir de zéro. Donc, je remets. Pardon, c'est pas ça. Je remets ma ressource. Donc, Firebase, c'est bien la bonne. Ok. Donc, je veux aller dans Firestore. Je veux aller sélectionner. Non, 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 il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Est-ce que le cas échéant, tu peux nous montrer peut-être juste, enfin après, tu vois un peu quelque chose d'autre que tu as fait avec Retool. Même c'est pas grave si on voit pas Alors, vraiment le lien ouais, alors avec attends. Firebase. Bon, même c'était un peu, Ouais, mais je peux là, peut-être si, que les lancer gens au moins voient un celui-ci. petit peu Retool, quoi. Je peux peut-être lancer ici. Hop, celui-là. Hop. Ok. Alors, toc. J'avais fait une petite appli qui me permettait en fait. Mais là, c'était sur la base d'un fichier Excel, de pouvoir voir toutes les applications, pas les applications, toutes les entreprises qui permettent de faire des travaux RGE. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est les entreprises RGE. En fait, c'est les entreprises qui sont référencées par l'État et qui permettent de faire les travaux qui rentrent dans le cadre Pour les des économies d'énergie, remboursements. tout ça. Voilà, des Ouais, économies ok. d'énergie qui permettent d'être remboursé finalement de ce que tu fais. Et alors, donc là-dessus, j'avais donc mon. Alors, du coup, il va falloir que j'aille chercher. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un. Toc, toc, toc. File picker. Je vais aller chercher un fichier Excel que je vais
que je vais en fait mettre dans mon appli. Alors pour le coup, il va falloir que j'aille chercher un fichier Excel qui n'est pas aussi gros que celui que j'avais avant parce que l'autre il faisait 300 et quelques mille lignes. Donc ça va être un Ouais. petit peu costaud. Hop. J'avais un avec moins de lignes que j'avais. Hop. Parce que c'est ça qui est intéressant avec Ritool, c'est que tu peux faire la même chose avec n'importe quel type de base de données, quoi. C'est ça qui est quand même assez cool. Que ce soit un fichier Exactement. Excel ou. Mais cette idée vraiment de construire des fronts, comme on dit, pour enfin, vraiment une interface pour travailler sur une base de données, c'est assez intéressant. Hein. Mais c'est vraiment pratique. Quand ça fonctionne correctement, c'est vraiment pratique et ça permet en plus d'aller même faire du comment on appelle ça, faire des rapports, du reporting un peu dans tous les sens. C'est plutôt propre. Alors, hop, je vais aller lui dire de rechercher mon fichier RGE. Donc, il est en train de le charger. Et voilà. Et là, donc, je peux lui dire d'aller donc dans mon hop, dans mon file picker et je peux lui dire d'aller chercher toutes les données qui sont dans mon fichier. Alors, excusez-moi. Hop. Ah oui, en fait, il n'a pas fini de charger. C'est un gros. Et je l'ai cassé, je croyais qu'il marchait, que j'avais mal écrit mon truc, mais c'est pas du tout, c'est juste qu'il a mis un tout petit peu de temps à aller charger les datas. On va lui laisser le temps cette fois-ci. Hop. Donc il y a une petite syntaxe à connaître. En fait, à chaque fois qu'on veut faire appel à une à des données, donc on va devoir les mettre entre Collègue. accolades et donc écrire une petite fonction. Alors c'est là où on entre en fait vraiment dans le low code, c'est qu'on va devoir écrire des petites fonctions qui vont nous permettre d'aller fouiller un petit peu dans les données. Donc ça c'est vrai que c'est même complètement low code, on peut dire, parce qu'on peut pas les inventer. Par contre la doc, encore une fois, elle est relativement bien faite. Quand vous avez un souci en fait de data, de data à aller chercher, la doc vous aide quand même assez facilement. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc finalement, je me suis trompé et j'ai forcément pris le mauvais fichier. Donc j'ai 224 000 enregistrements. Donc comme vous voyez, c'est Bon, quand même comme assez quoi rapide. ça, ouais, c'est ça, comme quoi ça fonctionne quand même. On peut traiter Voilà, quand même des données. ça fonctionne, c'est assez rapide. On peut traiter les données. Donc là, ce que je pourrais faire, typiquement, en fait, je pourrais aller fouiller dans mes données. Bon là évidemment c'est pas elles est, elles sont pas bien rangées parce que en fait il va mettre de manière un peu brute les données de mon fichier Excel. Il n'a pas utilisé en fait de comment on va dire ça de là c'est encore du terme un peu spécifique mais de parseur qui va permettre en fait de délimiter voilà délimiteur qui va permettre de lui dire bah voilà telle colonne de mon fichier Excel va dans telle colonne de mon tableau. Donc là, ça je l'ai pas fait là. Toc. Dépendant du type de fichier qu'on a, il le fait tout seul ou il le fait pas tout seul. Sur celui-là, évidemment, il le fait pas tout seul. Mais ce que je peux faire, c'est lui dire, voilà, dans ma colonne liste, par exemple, je veux aller chercher, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais je vais aller chercher toutes les données qui se rapportent à Paris. Bon, bah il n'y en a pas. Je vais aller chercher toutes les. Là, vous voyez, j'ai un établissement qui s'appelle Magne. Alors, je vais taper Magne. Et il va aller fouiller. Et évidemment, il ne veut pas, parce que le format de fichier est pas bon.
Hop. Mais concrètement, alors, je pense que je vais être encore bloqué, mais je vais essayer d'expliquer ce que ça fait. Finalement, quand vous êtes dans une base de données, ce que vous faites la plupart du temps, c'est que vous allez requêter cette base de données. Vous allez lui dire, bah, merci de m'afficher telle ou telle donnée en fonction de tel ou tel critère. Ce qu'on peut faire, et ce qui est très pratique avec Retool, c'est que vous pouvez gérer vos données directement dans l'appli. En fait, elles sont, on va dire, elles sont conservées dans votre tableau. Donc là, mon tableau, il est vivant, je peux le faire vivre, je peux modifier des infos sans vraiment avoir besoin d'aller solliciter ma base de données. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec Firebase, qu'on peut, d'ailleurs, on n'est pas allé jusqu'au bout, donc je vais vous expliquer après les limites. Je vais pouvoir tout modifier d'abord dans mon tableau avant de l'envoyer sur Firebase. Donc, ça m'économise, en fait, de faire une API, d'aller solliciter cette API, potentiellement, donc là, ma base Firestore, si je vais l'attaquer, j'ai 50 000 visites, 50 000 lectures par jour. Donc en une jour, chaque jour, j'ai un maximum de 50 000 lectures de mes données qui sont gratuites. J'ai 50 000 lectures, j'ai 20 000 écritures et 20 000 suppressions. Voilà. Ce qui est quand même déjà assez colossal, parce que dire qu'on va aller pour une, je vais dire une bêtise, mais pour une application de gestion, par exemple, de PME, intégrer 10 000 données par, 20 000 données par jour, bah, c'est quand même qu'on a une sacrée entreprise pour pouvoir collecter 20 000 données et les intégrer dans une base, dans une base de données. Voilà. Donc j'ai 50 000 visites, 50 000 lectures, pardon, 20 000 écritures et 20 000 suppressions de données. Là, ce qui est pratique avec Retool, c'est que je vais pouvoir charger l'intégralité de ma base de données et faire tout ce qui est requêtage directement dans l'outil sans avoir besoin d'aller rappeler à chaque fois que je veux faire une requête, d'aller rappeler mon Firebase. Donc, je m'économise en fait de la lecture, j'économise du trafic enfin, du trafic d'API et c'est plutôt quand même pratique. Évidemment, dans le cas présent, c'est pas forcément très visuel parce que voilà, j'ai l'effet démo, mais toc, je vais vous montrer avec le tableau qui est fourni dans Retool. Ouais, Hop. pas trop tardé d'ailleurs, après Ouais. presque 14 h. En plus, on a des trolls sur le chat. Je connais pas assez Twitch pour pouvoir en plus supprimer les trucs. Il faut vraiment que Stan fasse une petite formation là-dessus. Oui, j'avoue que je les vois là, en effet, c'est pas top. Ok, ben donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous montrer, c'est que au travers de Retool, on peut vraiment aller administrer la donnée. Je suis désolé du coup que ça n'ait pas là fonctionné avec mon Firebase. J'irai voir quand même pourquoi ça n'avait pas marché. Je pense que je mettrai le pourquoi du comment dans mon. Sur le Slack pour vous expliquer un petit peu ma petite problématique technique. Ok, bah écoute, en tout cas c'était très intéressant quand même globalement. En tout cas, j'avais envie de voir un petit peu plus sur Firebase, donc ça c'était top. Et puis je vais mettre peut-être. J'ai fait une petite vidéo sur Retool, si jamais les gens veulent en voir un peu plus. À la limite, ça peut être aussi un autre. C'est comme ça que j'ai découvert l'outil d'ailleurs, hein. Ok. Et puis de toute façon, bah voilà, on fera d'autres lives, etc. Peut-être Firebase avec un autre outil no code ou des choses comme ça. Et puis voilà. En tout cas, déjà, on a vu un petit peu tout ça, un petit peu aussi les complexités qui étaient liées à ça. Et puis voilà. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir pris le temps de nous Bah avoir merci présenté ça. et désolé pour les petits bugs techniques. Bah, ça fait partie du jeu. C'est ça le live no coding aussi. Hein. Faut voir comme ça, on est C'est transparent, vrai, on c'est montre. vrai. Ça, non, mais ça, tu vois, je trouve que ça permet aussi un petit peu d'évaluer, ce qui est aussi pas forcément évident dans ces outils, et pas montrer tout comme si tout était facile et évident, quoi. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup et à très bientôt. Et Merci à merci à toi. vous qui avez regardé. À Et bientôt. vous retrouverez ce soir à 18 h, les amis de Sapiens. Et puis demain, No Code Game, et après l'après-midi, un live sur Bubble. Voilà. À bientôt. Salut.